Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a visité chez les travaux de construction du pont de Jacquesville, a constaté le niveau d'avancement des travaux du pont exécutés à ce jour à 70%. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique vient d'organiser les assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Objectif, présenter les besoins prévisionnels pour les années à venir. Après Dallas, les éléphants de Côte d'Ivoire sont au Brésil pour participer à la Coupe du Monde qui se déroulera du 12 au 13 juillet prochain. Ils sont arrivés hier vendredi sur le coup de 13h, temps universel. Et puis nous allons recevoir dans cette édition le petit-fils de Nelson Mandela, ancien président sud-africain. Il s'agit de M. Nkosi Mandela. Il est de passage ici en Côte d'Ivoire. Nous allons échanger avec lui sur le modèle sud-africain de réconciliation. Ce sera pour tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience Moustapha Niass, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le chef du Parlement sénégalais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite ivoirien. Viviane Aimer. Conduit au palais présidentiel par son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafouri Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a reçu un accueil chaleureux du président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes se connaissent de longue date et se vouent une estime réciproque. En visite officielle en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son homologue ivoirien, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est venu accompagné d'une délégation de députés et hauts fonctionnaires de son cabinet. La rencontre avec le président de la République s'est déroulée dans une ambiance cordiale et fraternelle, car c'est une longue amitié qui unit la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est au nom de cette amitié et au nom de sa contribution à sa consolidation que le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, a été élevé par le président de la République à la plus haute distinction dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'ordre du mérite ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction qui honore, comme il le souligne, le gouvernement et le peuple sénégalais. Vous voyez cette décoration de très haut niveau qui vient de m'être attribuée et qui est attribuée en fait au peuple sénégalais à travers ma modeste personne en tant que président de l'Assemblée élue de la République du Sénégal. Mais se prolonge aussi ce geste envers son Excellence M. le Président Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui est son homologue, et qui travaille en étroite osmose avec lui sur toutes les questions concernant l'Ouest africain, concernant d'abord nos deux pays, mais concernant le continent africain. Rien de grand ne se fait sans de grands hommes, avait dit le général de Gaulle, et ceux-ci au pluriel le sont pour l'avoir voulu. Et en fait, je dis encore une fois, en tant que représentant des députés de l'Assemblée nationale, dont certains m'accompagnent ici, un grand merci à son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Un grand merci à son Excellence, M. le Président Guillaume Soro. Je crois que ce tandem et les équipes qui accompagnent ce tandem, avec M. le Premier ministre qui nous a reçus il y a une heure de temps, la Côte d'Ivoire a la chance de pouvoir espérer en des lendemains qui vont répondre aux attentes du peuple ivoirien grâce aux efforts, aux réflexions au pluriel, aux actes qui sont posés tous les jours par l'équipe qui est là. Au cours de cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et sa délégation de parlementaires sénégalais se sont entretenus avec leurs homologues ivoiriens des questions se rapportant
au développement économique et social, à l'éducation et l'emploi des jeunes, à la protection des femmes et des enfants, au statut de la femme dans les sociétés ivoiriennes et sénégalaises. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a procédé hier vendredi au lancement du projet de renforcement de la production d'eau potable dans la zone d'Abidjan Nord et dans le village de Santé à Benjeville. Témoin Alexis Ouedraogo. De l'eau potable et en abondance pour approvisionner les populations du nord-est d'Abidjan. Les quartiers d'engrais de la Djibide et de plateau des 7e et 8e tranches de la rivière à Palmeret, d'Abobo Baoulé et de l'ouest de Benjerville devraient être impactés par ces travaux. C'est le chef du gouvernement qui a procédé ce vendredi aux côtés du ministre Patrick Hachi, ministre des Infrastructures, au coup de pioche qui lance les travaux d'adduction en eau de cette zone à la grande joie des populations. Nous, on est contents, en tout cas, c'est bien. En tout cas, ça nous fait plaisir, quoi. Que Dieu permette que tout ce qu'il a dit là, il puisse faire ça pour nous. C'est une première, l'eau potable, mais c'est très bien. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État à travailler avec rigueur et abnégation pour résorber le déficit en eau, non pas seulement à Abidjan, mais dans toutes les régions du pays. Par ces différents projets initiés depuis quelque temps, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, homme de parole et d'action, tient à rassurer les populations quant à la prise en compte effective par le gouvernement de l'importance de l'eau dans leur quotidien. D'un montant de 10 milliards de francs CFA à hauteur de 5 milliards investis par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, 4,4 milliards par le fonds de l'OPEP et 1,3 milliard par l'État de Côte d'Ivoire, ces travaux sont précurseurs de nombreuses autres réalisations. Nous serons la semaine prochaine à Yamoussoukro pour lancer notre chantier d'alimentation en eau potable. Tous ces travaux d'Abidjan sont prévus pour s'achever d'ici la fin de l'année 2014. L'objectif du gouvernement se veut clair, ne plus compter d'ici 2016 de robinets à sec dans le pays. Autre activité du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a visité les travaux du pont de Jacquesville. Il a constaté le niveau d'avancement des travaux du pont exécuté à ce jour à 70%. Au terme de la visite du chantier du pont de Jacquesville, le Premier ministre a annoncé la fin des travaux pour fin 2014. Gabriel Zané. Aujourd'hui, tous les problèmes sont réglés. Les choses sont en bonne voie, confie le Premier ministre à la fin de la visite des travaux du pont de Jacquesville. Un ouvrage réalisé à 70% à ce jour d'un coût total de 22 milliards de francs CFA. Il doit permettre de relier rapidement, disons que, Abidjan à Jacquesville. Et ça pourra changer donc l'économie donc, de la sous-région. À la dernière visite du Premier ministre sur le chantier, aucun pieu n'avait été posé. Long de 608 mètres et doté de deux fois une voie circulable avec deux trottoirs, la construction de l'ouvrage évolue sans interruption depuis la mi-juillet 2013, après avoir connu quelques difficultés causant l'arrêt des travaux. Cette évolution du chantier est le résultat des efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan rassure que le pont sera livré d'ici la fin de l'année. Tous les tabliers sont prêts maintenant, sont déjà fabriqués. Je crois qu'il y en a 48, ils en ont posé 27. Donc ça va très très vite à partir du moment où c'est fabriqué. Je pense donc qu'il faut être confiant que le pont sera prêt et que nos sœurs et frères donc de Jacquesville vont pouvoir passer une bonne fin d'année. Cet ouvrage est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'État ivoirien. Les autres financements proviennent de plusieurs banques, dont la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, la Banque Africaine de Développement, BAD. Une entreprise égyptienne est en charge de l'exécution des travaux. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, ont signé un accord de prêt. Le montant, 10 milliards de francs CFA. Cet argent va servir à l'entretien des routes ivoiriennes et au bitumage de l'axe Thiébissou-Didiéby. Juliette Weah. La Banque Ouest Africaine de Développement va financer partiellement, au montant de 10 milliards de francs CFA, le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe routier Thiébissou-Didiéby. Ce prêt de la BOAD à l'État ivoirien s'étend sur une durée de 27 ans avec un taux d'intérêt de 2,8% l'an.
Le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiéby-Soudidiévi va favoriser, entre autres, la redynamisation des échanges économiques entre les deux départements et avec les autres régions du pays. Cette opération, qui constitue la première du genre dans la sous-région et dans les interventions de la BUAD, répond bien aux préoccupations exprimées par notre institution dans le cadre de ses engagements dans le secteur routier. Avec la signature de cet accord de prêt, le montant total des engagements de la BOAD dans le secteur routier ivoirien se chiffre à plus de 100 milliards de francs CFA. Le pays se réjouit d'ailleurs de cette coopération. Le gouvernement ivoirien, conscient du rôle prépondérant de la route dans l'évolution de son économie, entend réhabiliter, développer et moderniser les infrastructures routières pour en faire un outil performant au service de son développement économique et social. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement entretiennent des relations dans divers domaines, notamment l'économie, l'industrie et l'agriculture. Et tout à fait autre chose, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire à RDCI ont signé un accord cadre de collaboration entre les deux entités. Objectif, venir à bout du problème de l'emploi et du chômage en Côte d'Ivoire en tenant compte des spécificités des régions et districts du pays. 9,4% de la population active sont au chômage. Puis, 5,5 millions des jeunes souffrent aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi, selon le ministre de l'Emploi. Comment résorber le chômage? L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, s'implique dans la recherche de solutions. D'où la signature d'un accord cadre de collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi. L'accord a pour objet de mettre en place, au plan régional, des fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes, d'élaborer des stratégies spécifiques à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle en s'appuyant sur les caractéristiques socio-économiques des districts et des régions. Il va aussi permettre le transfert de compétences dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Selon le ministre Dosto Moussa, cette signature d'accord cadre s'inscrit dans la politique de décentralisation menée par le chef de l'État. Sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de décentralisation en vue d'optimiser la participation des acteurs locaux au développement économique, social et politique. Parmi ces défis économiques, figure en bonne place l'emploi des jeunes. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement, dit-on. Pour donc désamorcer la bombe, la RDCI et le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle se disent déterminés à venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire. Nous recevons maintenant dans cette édition le petit-fils de Nelson Mandela, ancien président sud-africain. Il s'agit de M. Nkosi Mandela. Il est de passage en Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons parler du modèle sud-africain de réconciliation. M. Nkosi Mandela, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment va l'Afrique du Sud? How is South Africa doing these days politically? Thank you. It's good to be here in Côte d'Ivoire, and South Africa is doing very well. As you know, we've come out of our fifth election. Alors, l'Afrique du Sud se porte bien. Nous venons juste de terminer notre cinquième élection démocratique. As you know, that South African people, their entire citizens, have been able to once again give the African National Congress a landslide victory of 62% 0.49, and that is an amazing victory on part of the organization of my grandfather. Alors, nous sommes fiers à l'ANC d'annoncer un 62,49% de résultats en faveur de l'ANC, le parti fondé par mon grand-père. Nelson Mandela, justement, alors vous avez choisi en Afrique du Sud la continuité avec Jacob Zuma et avec l'ANC, mais il y a les partis d'opposition qui avancent tout de même. So you have chosen Jacob Zuma and ANC.
as South African people. It's like continuing the process of having ANC ruling the country, despite the slightly stronger opponents. Well, you've seen, the South African democracy is now maturing. We are able to vote our presidency into office, and we voted President Zuma for the second term, and we are very much supportive of this new regime to be able to advance our country and better our people. But I think the illustration of other small political parties growing is that democracy is maturing in South Africa. Oui, avec le fait d'avoir Jacob Zuma pour un second terme est une preuve de l'efficacité du processus de développement de l'Afrique du Sud avec l'ANC au pouvoir. Mais le fait que les partis d'opposition sont en progression est un signe de la vitalité de la démocratie en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid, l'apartheid système, l'apartheid qui a divisé le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a la réconciliation. Est-ce que vous pouvez nous parler du modèle sud-africain de réconciliation? Despite the fact that South Africa went through this apartheid process, South Africa has tailored a PRC program. How can you describe it to us? I think that reconciliation program was an illustration of the ANC leadership, particularly men like my grandfather Nelson Rolihlahla Mandela and the collective that he worked with. Because after being incarcerated to prison for over 27 years, they came out not with bitterness and anger, yet with forgiving hearts. They had to ensure that they make us understand of the future that awaits us, and be able to embark on a program of reconciliation so that we are able to forgive one another for the past that we had experienced, in order to ensure that we build a better future for future generations to come. Alors, le fait que l'ANC ait gagné et le fait que l'Afrique du Sud traverse avec assez de sérénité ce processus démocratique est dû aux bases très saines que mon grand-père, après ses 27 ans d'incarcération, a pu mettre sur pied à travers le sens profond du pardon. Il est sorti de sa très longue incarcération sans aucune aigreur. Il est sorti avec un sens profond de l'amour. Et je pense que c'est ça le terreau fertile sur lequel se fonde le processus de réconciliation en Afrique du Sud. Monsieur Mandela, vous êtes informé, certainement la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise après les élections. Alors, il a été mis en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le gouvernement ivoirien a posé des actes, continue même de poser des actes en faveur de la réconciliation. Comment est-ce que vous appréciez ces actes? You know that Côte d'Ivoire went through difficult processes in terms of political situation, and you know that there is a commission, Truth and Reconciliation, that was set up in Côte d'Ivoire. How do you appreciate this CDV of Côte d'Ivoire? I think this is the legacy my grandfather leaves, not only South Africa, but Africa at large. That as Africans, we should be able to settle our differences seated around the table through negotiations. But a key ingredient of that is to ensure that we are able to engage in a reconciliation process that will be able to allow us to understand the challenges that we have had, the pains that our people have undergone, so that we can be fully forgiving of one another. Africa as a whole awaits many challenges in front of it that we need to focus in developing and bettering our world. And those can only be settled by Africans themselves. Alors, le processus, je l'évalue en Côte d'Ivoire comme une sorte de continuité de la volonté de mon grand-père, qui n'avait pas des visions seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique entière et même le monde entier. Le processus qui est suivi par la CDVR s'inspire très largement du modèle sud-africain. Et c'est effectivement autour d'une table, en discutant, non en effaçant les différences, mais en gérant les différences à travers un dialogue permanent, qu'on peut arriver à traverser cette crise-là.
Et je pense que c'est cette vision-là qu'avait mon grand-père quand il apprenait ce processus. Ce n'était pas pour l'Afrique du Sud seulement, c'était pour l'Afrique et pour le reste du monde. Pour l'Afrique tout entière. Alors, la crise ivoirienne a été politique et militaire en même temps. Quel message pour les hommes politiques et pour l'ensemble même des Ivoiriens pour éviter que ce dérapage, que cette crise se répète? The political crisis in Côte d'Ivoire was not only civilians against each other, politicians, but also military people. So what would be a message for the Ivorian people? What would be your advice? I think, for one, we have to put the interests of our people at heart. One thing that we continuously see through and through Africa, particularly in rural areas, is the extreme measures of poverty that undertake our people. And we need to ensure that we set aside our differences in bettering the lives of our people. And through programs like reconciliation and ensuring that we look at the best interests of our society, we will be able to mend the challenges that we have faced in the past to be able to build a better future ahead. Alors, à travers l'expérience que l'on a pu avoir du passé, spécialement dans les régions rurales où la pauvreté est très très sévère, il est important de mettre sur pied des programmes concrets de développement pour pouvoir regarder tous ensemble dans la même direction dans le futur. Je pense que c'est à travers ce processus-là qu'on pourra obtenir des résultats concrets. Monsieur Mandela, très rapidement, vous êtes là pour Miss Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette élection de la plus belle fille de Côte d'Ivoire? Mr. Mandela, you are here for Miss Côte d'Ivoire. What do you think about this event? Well, such initiatives as learned from my grandfather, you know, in order to embark on a national program of unity, he utilized the Rugby World Cup to bring about unity of our people. And I think also Côte d'Ivoire has the ability to use entities like the Miss Côte d'Ivoire to allow the young women to be ambassadors of their communities, their regions, and their cities to ensure that they advocate for reconciliation and be able to promote the country, because as young people, they need to be ambassadors of their countries and ensure that they always speak for the African agenda in the global community. Alors, l'événement Miss Côte d'Ivoire, tout comme le rugby le fut pour mon grand-père Nelson Mandela, est un vecteur de dialogue, de vérité et de réconciliation. Parce que mon grand-père avait prôné le rugby, le sport en général, pour ramener, pour réconcilier le pays. Et je pense qu'un événement comme Miss Côte d'Ivoire, dont les participants sont des représentants de toutes les régions de ce pays, peuvent être des vecteurs de communication qui peuvent prôner la réconciliation partout à travers le pays. Donc c'est à ce titre-là que je soutiens ce projet Miss Côte d'Ivoire comme étant un des vecteurs qui peut apporter la réconciliation à votre pays. Merci d'être passé. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Thank you. Deuxième grand titre de cette édition, nous continuons cette édition. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, a organisé à Ivoire Girl Club, à la Riviera, les assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Objectif présenté et validé chez les besoins prévisionnels pour les années à venir en vue de la réorganisation du réseau scolaire. Mississoko, Laetitia Manglé. Depuis plus d'une décennie, la forte demande de l'éducation et les disparités régionales en matière d'infrastructures scolaires ne favorisent pas une programmation optimale en ce qui concerne l'adéquation enseignants-élèves-infrastructures. Et pour y remédier, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, a organisé les assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Le gouvernement a instauré la carte scolaire pour dire aux populations, dans tel endroit, il y a beaucoup plus d'élèves, donc il faut construire des écoles. Dans tel autre endroit, il y a suffisamment d'écoles déjà, il faut penser aux autres régions. Avant, on faisait la carte scolaire de façon manuelle. Nous avons acquis un nouvel logiciel qui va nous permettre d'automatiser cette carte scolaire de dorénavant.
Ces assises ont réuni les 36 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le corps préfectoral, les conseillers régionaux et gouverneurs de district. Les assises de la carte scolaire ont permis d'examiner et valider notamment les propositions de création, d'ouverture et d'érection de collèges en lycée. L'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État. Chacun de vous doit être un facilitateur pour une planification réussie des infrastructures en vue d'une éducation inclusive et équitable. Pour une meilleure planification de l'éducation en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prévoit la construction de 36 000 salles de classe et la réhabilitation de 30 000 autres. La cinquième édition du Forum de philosophie, c'est à San Pedro. Ce forum a été organisé par la coordination régionale de philosophie de San Pedro. Son objectif est d'aider les élèves à préparer la philosophie lors de l'examen du baccalauréat. Thérèse Tapeyoboué. Le Forum de philosophie a été initié par les professeurs de philosophie de San Pedro. Il est organisé chaque année depuis 5 ans afin de permettre aux élèves de cerner tous les contours des sujets sur la philosophie, surtout pour ceux qui préparent les examens du bac. Notre objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que les jeunes apprenants puissent être bien préparés pour les examens de fin d'année. Cette année, nous avons ajouté à cet objectif un autre qui consiste à valoriser les enseignants qui ont fait plus de 20 ans d'enseignement dans notre région. Le Forum des philosophies participe aussi à l'effort de paix au niveau national par l'organisation d'une conférence sur la paix et la non-violence. Une occasion pour dire à chaque habitant de la Côte d'Ivoire, à chaque habitant de San Pedro, à chaque homme de ce pays que la paix est une nécessité. Si la guerre nous instruit, alors la paix devient pour nous une nécessité. L'édition de cette année est parrainée par l'Alliance franco-ivoirienne, dont le président est Thomas Tshumonde. La coopérative agricole Dialogue de Djekanou fait la promotion de l'excellence à l'école. Cette coopérative a offert de nombreux prix aux meilleurs élèves du lycée moderne de Djekanou. Charles Tatou, RTI Boaké. En matière d'œuvre sociale, la coopérative Dialogue de Djekanou ne se limite pas qu'à ses seuls membres réalisant de grandes productions de café cacao et de riz. Ses appuis s'étendent aussi aux établissements scolaires de la région. Pour preuve, elle vient de financer à hauteur de plus de 600 000 francs CFA des lots d'ouvrages scolaires destinés aux meilleurs élèves du lycée moderne de Djekanou. Fait partie de nos élèves, tant aux élèves parce que ce sont les élèves de notre département, ça fait un et puis les meilleurs. Surtout quand on parle de meilleurs, on ne trie pas, on dit tout le monde, on parle de ce, pour donner le courage à d'autres élèves de mieux travailler. La cérémonie de distribution de ces prix aux élèves et aux enseignants les plus méritants a mobilisé élèves, corps enseignants, opérateurs économiques et autorités locales. Occasion pour les différents intervenants de revenir sur la culture de l'excellence. Seule condition pour accéder à l'émergence en l'an 2020. Ils ont également rendu un hommage appuyé aux responsables de la coopérative Dialogue de Djekanou et à toutes les personnalités impliquées dans l'organisation de cette cérémonie pour leur soutien à la promotion de l'excellence à l'école. Le lycée moderne de Djekanou a ouvert ses portes en 1997. Il fonctionne seulement avec 11 salles de classe pour un effectif global de 1158 élèves, dont 1015 pour le premier cycle et 143 pour le second cycle. Cet établissement a donc dépassé les normes de la double vacation. Du sport pour terminer cette édition. Après Dallas, les éléphants de Côte d'Ivoire sont au Brésil pour participer à la Coupe du Monde qui se déroulera du 12 au 13 juillet prochain. Ils sont arrivés hier vendredi à 13h, temps universel. À bord du premier vol à fouler le nouveau tarmac de l'aéroporto Viracopos de Sao Paulo, les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu droit à un baptême digne de ce nom. En provenance de Dallas, aux États-Unis, après 2 semaines de préparation, Sabri Lamouchi et son groupe sont apparus sereins. On a en forme, c'est vu pendant les préparations, mais le plus important c'est qu'on est confiant et on espère que tout va bien passer par la grâce de Dieu. C'est la première participation qu'on a fait.
en formation d'appeler les yeux ivoiriens. On ne va pas trop parler ou essayer de vendre du rêve, mais le premier match est important, on va essayer de bien négocier. Donc on va essayer de bien aborder cette semaine de travail pour bien rentrer dans cette compétition et je l'espère pouvoir réaliser l'espoir de sortir de cette route. L'aventure peut donc commencer. Direction le centre Carlos Inn dans la ville de Aguas de Lindoya, le QG. Base des éléphants, mais surtout ville des Ivoiriens, avec des populations prêtes à supporter la Selefanto. Ça fait 7 Coupes du Monde que je voyage. Et les éléphants, je les aime parce qu'ils ont un football très, très alegre. Nous avons fait « Allez, Côte d'Ivoire, allez, Côte d'Ivoire » pour gagner toutes et rester seulement la Côte d'Ivoire et Brésil pour les fans, né, de la Coupe. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés à leur base ici à Carlos Inn où après s'être reposés, eh bien, on les retrouvera pour un programme très chargé avant le premier match qui va se dérouler le 14 prochain. Merci Cathy Touré, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Thank you.